Chaque matin du boulevard de la Villette, il descendait sifflant un guet de frein. Allègrement il relevait la tête en s'en allant à grands pas au turbin. Sur son passage de chantilly midinette avait pour lui des sourires enchanteurs, et dans le cœur de plus d'une brunette avait germé des projets de bonheur. Alors dans les couleurs qu'on a choisies pour les costumes, il y a des couleurs très très vives. Parce qu'en fait, ce que les peintres voyaient, les artistes peintres qui étaient soldats, c'était aussi le côté fabuleux des lumières. Jamais ils avaient vu, on avait vu autant d'artifices, comme on dit feu d'artifice, mais là c'est des artifices de la guerre. Comment on n'avait jamais vu autant de poudre, autant de lumière électrique, la lumière électrique qui essayait de repérer déjà les avions. Cette guitare, elle est faite dans un casque authentique de la guerre de 14. Les gens qui vont venir au concert vont être très surpris, déjà par l'apparence des instruments et ensuite par le son. Pourquoi par le son? Parce que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Le bois est pas forcément de qualité, c'est de la récupération en fait. Rendez-vous le 14 novembre à 20h à la Cité de la Musique. Et le 22 et 23 novembre au Hall de la Chanson. C'est tout en poésie. Tout en poésie, mais un peu vintage. 100 ans après, une façon de digérer toute cette haine.